C'est bon? A'oudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin, amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, hier on a vu dans une séquence vidéo bien ça, dans une leçon les racines du bon comportement. Donc, les racines des bons caractères de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est les racines des bons caractères en général sont, se trouvent dans, à l'intérieur. D'accord? D'accord? Et bien sûr, quand on dit à l'intérieur, pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les bons caractères, non, en général aussi, les vertus émanent des vertus d'Allah azza wa jal. Sans la générosité d'Allah azza wa jal, la personne ne peut être généreuse. Yani, ma karim al-akhlaq, masdarha huwa al-qalb, wa sara'ar, al-batin. Donc, c'est une faculté à l'intérieur. Malaka fil nafs al-akhlaq. Il y a malakatun fil nafs. Bien sûr, cette faculté émane de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de l'environnement aussi. L'environnement, on a dit que les bons caractères sont innés, sont héréditaires. On a anna al-akhlaq mawrutha wa maghrusa fina, elle est enracinée en nous. Et après, il y a l'éducation. Qui a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah, c'est Allah azza wa jal. Donc, il y a deux choses très importantes. Tout d'abord, le bon comportement, c'est un petit rayon d'un soleil qui est à l'intérieur. Ça, c'est très important à comprendre. Le bon comportement, c'est un reflet. Un petit reflet d'un océan de beauté, de lumière à l'intérieur. Donc, c'est très important d'imaginer la bonté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le bon comportement, ça c'est un fruit, d'accord, d'un jardin. On a donné des exemples hier dans la séquence vidéo, comme le produit... maintenant c'est pas un bon exemple, c'est un peu industriel, mais imaginez quelque chose de beau, hein, très très grand, qui nous donne juste un petit fruit, d'accord, voilà, c'est comme ça. Pourcentage faible, hein? Oui, ça, le bon comportement c'est juste c'est 1%, oui, oui, c'est voilà. Donc, vous imaginez juste le. On ne peut pas dire que le cœur, c'est de Mohamed. Hier, on a discuté ça. Comme l'Asma, il a dit, on lui a posé la question, le prophète Sassam disait mon cœur s'assombrit. Hein? Le prophète, il a dit mon cœur s'assombrit. Et je sollicite le pardon d'Allah 70 fois par jour. On lui a déposé la question, ça veut dire quoi? Le cœur s'assombrit. Ça veut dire quoi? Le cœur, il a dit, si vous me posez la question concernant le cœur en général, je peux vous répondre. Mais si vous me posez la question sur le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis incapable de vous répondre. Et ça, c'est un homme de littérature, ça, c'est un expert. Donc, c'est très difficile d'imaginer la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'espère que cette période qui est la Rabi' al-Awwal est une occasion, Inch'Allah, pour voyager vers cet océan de bonté à l'intérieur du cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à travers l'histoire vers aussi la réalité
de la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, deux réalités qui nous attirent pendant ces mois bénis. Pourquoi c'est ce mois béni, le mois de Rabi al-Awwal? Comme pour le mois de Ramadan, nous avons les 10 derniers jours du Ramadan, c'est les jours du Coran, mais le Coran est avec nous pendant toute l'année, le prophète aussi est avec nous toute l'année, c'est juste une période où les souffles des vins sont très intenses, donc il faut y profiter, c'est tout, c'est ça, c'est dans ce sens-là, Inch'Allah. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir l'éducation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez dit, il était éduqué par son Seigneur. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éduqué par Allah azza wa jalla. Je pense que la prière sur Sayyidina Muhammad, d'Allah sur Sayyidina Muhammad, est lié à cette éducation. Je pense que Allah éduque au présent. Donc, c'est une relation éternelle entre Allah Azza wa Jalla et son messager. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Il prie constamment sur Sayyidina Muhammad. Donc, il y a toujours ce lien entre Allah et Sayyidina Muhammad, entre nous et Sayyidina Muhammad à travers la prière aussi. Donc quand tu pries sur Sayyidina Muhammad, tu demandes à Allah de prier sur lui, et lorsque Allah prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie en même temps sur toi, et lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te rend les salutations. Donc ça, il y a tout un mécanisme d'éducation. Donc maintenant, comment Allah Azza wa Jalla a éduqué Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On va voir. Comment connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la contemplation de ses bons caractères. Parler de ses bons caractères, essayer de l'imaginer devant toi, comment il marchait, comment il parlait, comment il était généreux, comment il était ascète. Alors, le chapitre, c'est page 19. Certaines de ses vertus rassemblées, ça c'est pas encore ça, non, pas ça, attention. Voilà, c'est la page 13, pardon. كان بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc on a vu le prophète صلى الله عليه وسلم à l'introduction aussi. Allah, c'est Allah qui a éduqué Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ensuite, il l'a choisi comme élu. On a donné pour Allah l'exemple sublime, c'est comme un père de famille, une mère de famille qui éduque ses enfants et choisit un comme le privilégié ou le meilleur, d'accord, ou l'exemple ou le modèle pour les autres. Voilà. Salam alaikum. Comme je dis toujours, même dans un serment, quand on parle de Sayyidina Muhammad, ça me dit que ça pèse. C'est miraculeux. Chaque fois, hein, tu parles de Sayyidina Muhammad, ça. Et Mujahid, il a dit, les cœurs s'apaisent par la vocation d'Allah. Il a dit, les cœurs, ça veut dire ici, s'apaisent par les vocations de Sayyidina Muhammad. Donc, l'invocation d'Allah, c'est aussi la vocation de Sayyidina Muhammad. Quand tu invoques le prophète, c'est comme si tu as invoqué Allah. Hier, un frère m'a dit, j'ai peur. Vous connaissez, hein? À chaque fois qu'on parle de Sayyidina Muhammad, il y a des gens qui ont peur. T'as peur de quoi, j'ai dit? Il m'a dit, j'ai peur d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que Allah azza wa jalla. Ça, c'est démoniaque. Ça,
c'est une suggestion maligne. Attention à ça. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? La peur perturbe l'amour. Si j'ai peur, je ne peux pas aimer. Si j'ai des doutes, je ne peux pas aimer. D'accord? Donc, il essaie de s'aimer. Mais par la porte de la sincérité. Attention, l'associationnisme, tout ça. J'ai dit, aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir peur. Sans avoir peur. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une rahma. Tu ne peux pas être égaré. Alaykoum salam, mashallah. Il a beaucoup de bien-aimés. Alors, il faut l'aimer d'une manière démesurée, le prophète. Ça. Il ne faut pas avoir peur d'aimer le prophète. Ça, il faut effacer ça. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. De toute façon, même si tu passes toute ta vie, tu fais 5 prières, tu travailles, tu manges, tu lis le Coran, tu fais ce qui est obligatoire, bien sûr. Après, tu passes toute ta vie à lire sur le prophète. Prise, tu n'atteindras pas le niveau de Sayyidina Omar. Vous êtes d'accord? Tu ne vas pas aimer Allah, le prophète, comme Sayyidina Omar. Jamais. Même je ne peux pas vous juger, hein, mais je parle de moi-même. Comme, je ne peux pas même atteindre le niveau d'un pieux qui aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes d'accord? Donc oublie la question d'associationnisme. Tu vas associer l'amour de Sayyidina Muhammad à l'amour d'Allah. Mon amour envers Sayyidina Muhammad va dépasser l'amour d'Allah. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est démoniaque, ça n'a rien à voir. C'est pour stopper ton amour. Et alors, ça, c'est une chose. Et moi, je vous dis quelque chose. Tu ne peux pas aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans la permission d'Allah Azzawajal. Et tu ne peux pas aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si Dieu tout d'abord, avant d'aimer Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que Dieu t'aime tout d'abord. Il y a une invocation qui dit remplis mon cœur de ton bonté avec un grand T majuscule. C'est de l'amour d'Allah, de ton amour avec un grand T majuscule et de l'amour du prophète. Enfin, après, on peut ajouter aussi de l'amour du prophète. En fait, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ça découle. C'est-à-dire, c'est pas de l'association, c'est comme ça et comme ça en fait. Et puis pour atteindre là, on passe par le prophète. On ne les met pas à côté. Normalement, on ne doit pas discuter ça. Il n'y a pas de philosophie ici. Amour. J'aime Sayyidina Muhammad. Je n'ai pas besoin même d'argumenter. J'aime le prophète parce que... Vous êtes d'accord? Mais maintenant, malheureusement, voilà ces discussions... Moi, ça m'avait posé un problème. Enfin, j'ai eu une question. Puis après, je ne les ai pas mis à côté. Je les ai mis sur L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le centre de l'amour d'Allah. Pourquoi? قالوا محبوب المحبوب محبوب محبوب المحبوب محبوب. Le bien-aimé du bien-aimé est bien-aimé. Voilà. Vous êtes d'accord? Donc, j'aime Allah, le prophète, parce que c'est le bien-aimé d'Allah, azza wa jal. D'accord? Alors, je vous donne la règle. Il y a une chose qu'on ne doit pas dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le reste, tu peux dire ce que tu veux. Il y a une seule chose qu'on ne doit pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu peux dire la meilleure créature d'Allah, c'est le Seigneur, le maître des fils d'Adam. D'accord, c'est mon bien-aimé. Dis ce que tu veux après. D'accord? L'homme le plus généreux dit et parle comme tu veux. Il y a une seule chose qu'il ne faut pas dire, c'est quoi? Il est Dieu, pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est le bossé derrière. Voilà. Donc il a dit, il ne faut pas d'a'ma qalatu al-nasara fi nabiyyuhum wa ansab ilayhi ma shi'ta min shiyami wala. Khalli barka ma tqulsh ma qalat al-nasara fi nabiyyuhum fi Isa alayhi salam. D'accord? Parce que chez les chrétiens, j'ai posé la question. Et dans l'existence, Jésus représente quoi pour vous? Il m'a dit, c'est lui qui a
participer à la création. Pas seulement il était créé ou bien, non, il a participé à cette création. Donc, ça c'est juste pour juste une petite remarque. Donc, il ne faut pas juste dire que le prophète, mais tu ne peux pas tomber dans l'association, il ne faut pas avoir peur. Parce que jamais tu arrives au niveau de Sayyidina Omar, ce n'est pas le niveau de Sayyidina Abou Bakr, c'est un niveau encore plus haut. Hein? D'aimer le prophète plus que ta personne. Ça, tu n'arriveras jamais à ce niveau-là. D'accord? Voilà, c'est juste une petite introduction. Alors, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éduqué par Allah azza wa jalla? Voilà la logique. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق فكان يقول في دعائه اللهم حسن خلقي وخلقي. Voilà. L'envoyé de Dieu صلى الله عليه وسلم était très humble, suppliait sans cesse Dieu et lui demandait continuellement de l'orner des excellentes vertus éthiques et des nobles qualités de caractère. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très humble. Ça veut dire quoi, très humble ici? Voilà, t'es très très soumis à Allah azza wa jalla. Voilà, supplier sans cesse Dieu et lui demander continuellement de l'orner des excellentes vertus et éthiques et des nobles qualités de caractère. Il disait dans son invocation, ô mon Dieu, embellis ma nature externe et interne. Vous êtes d'accord? Ça c'était le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق اللهم جنبني منكرات الأخلاق. Il disait dans son invocation, ô mon Dieu, embellis ma nature externe et interne, et ô mon Dieu, écarte de moi les mauvaises qualités de caractère. Ô Allah, écarte de moi les mauvaises qualités de caractère. Ça, c'est des doigts qui peuvent nous aider à acquérir le bon caractère. D'accord? Qui peut me donner la suite du mécanisme de l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je peux dire comme ça. D'accord? Le prophète, il a fait le doigt. Après? D'accord? Il œuvre, mais il y a deux étapes environ avant l'action. Salat, d'accord, bien sûr, la prière. Ça, c'est merci, ma soeur. Il faut pas oublier la première pas dans le cheminement, c'est la prière à l'heure, si tu peux, tant que c'est possible. Faut pas oublier ça. Avant l'invocation, avant tout, la prière à l'heure. D'accord, ça c'est une chose. Hein? Autre chose. Donc le prophète, il a fait le doigt. Voilà, Dieu exauce sa demande. Il a fait la vocation dans la prière. Non, la prière, bien sûr, il prie le prophète, ça. Mais il a fait le doigt et il a insisté. Donc son doigt est exaucé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son doigt est exaucé. فاستجاب له الله تعالى. Pourquoi Allah a exaucé sa demande? C'est le plus proche. C'est le plus proche de déjà. Fani Qarib, le prophète est très proche d'Allah Azza wa Jal. Il est sincère. Et Allah nous a promis. Fad'ouni, fastajib lakum. On sait très bien que le doa du croyant est exaucé. Imagine alors le doa du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous voyez comment Dieu, exalté soit-il, a exaucé sa prière conformément à sa promesse suivante. Invoquez-moi, je vous répondrai. Vous voyez les étapes. Après, comment le prophète Allah Azza wa Jalla a éduqué Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Par quel moyen? Entre guillemets, moyen. On ne dit pas moyen. Mais par ça, le Coran. Par le Coran. فأنزل عليه القرآن وأدبه به.
فكان خلقه القرآن. أنت قلت وهي مكتوبة. قال الكلام البليغ هو الذي تعرف نهايته من بدايته. On dit, moi j'ai dit une partie et elle, la Sahara, elle a fini. Les Arabes disent la parole éloquente ou bien voilà, belle, c'est lorsque tu dis toi la première partie, ton interlocuteur peut finir la deuxième partie. Ça c'est. Donc ici, c'est comme des pièces de puzzle, tu vois, vous voyez, c'est bien construit. Donc, فأنزل عليه القرآن وأدبه به فكان خلقه القرآن. Donc, par quel moyen, ça c'est, on a dit en arabe, mais on a dit le Coran, hein? C'est par lui. Donc, il a fait descendre sur lui le Coran et l'a éduqué par les enseignements qui y sont contenus, de sorte que sa nature devint le Coran même. Je répète, il a fait descendre sur lui le Coran, il l'a éduqué par les enseignements qui y sont contenus, de sorte que sa nature devint le Coran même. Est-ce que c'est clair maintenant? Pourquoi on doit suivre le Coran? Parce que c'est le prophète, ça, ça est un Coran ambulant. Ambulant. C'est un Coran qui marche sur terre. C'est l'interprétation pratique du Coran. Ou le tafsir, le Coran, l'amali, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va voir des exemples. قال سعد بن هشام دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. Donc c'est pour ça, c'est lui le modèle excellent. Donc Saad ibn Hisham a dit, j'ai rendu visite à Ummina, notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, et l'ai interrogée sur le caractère de l'envoyé de Dieu. Elle me demanda, ne lis-tu pas le Coran? Je lui répondis, certes. Elle me dit alors, la nature de l'envoyé de Dieu était le Coran. Comment maintenant le Coran a éduqué Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment il était éduqué par le Coran? Il a aimé en tant que parole de Dieu. Et... Ça, c'est très important, aimer le Coran. Ça facilite. Commander le convenable et interdire le blâmable. Oui. Recommander. Par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, bien sûr, c'est lui qui a révélé le Coran à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est son éducateur. Je pense que c'est grâce à l'amour sincère qu'il... L'amour, bien sûr. C'est des conditions, tout ça. Ouais. Sayyidina Jibril, c'est le moyen. La foi, on a des prophètes et tout. Hein? En donnant des exemples sur les... Oui, les modèles des prophètes, ça c'est juste. La mise en pratique des versets, exactement. Quel verset? On va voir quelques versets des échantillons, des quelques versets qui ont éduqué ces noms. Le prophète, avant qu'il soit prophète, il était déjà. C'était un exemple. Oui. C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de. C'était un homme menteur, véridique, ouais. Et digne de confiance. Deux qualités. Sadiq ou Amin. Ça, c'est déjà. Allah Azza wa Jal, il a installé le Coran dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pas juste récité le Coran, mais il l'a compris. Comme par exemple, hier, il y a un cheikh Hamza Youssouf, il disait, une des plus grands miracles qui peut arriver, c'est al-fahm. Oui. Comprendre. Oui.
Il a dit comprendre la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Que tu, c'est le maximum, le seul moment où tu peux arriver au comprendre le Coran. Yani, al-ma'na al-haqiqiyya du Coran, c'est le plus grand. Et il liait ça à la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Tsalku mala ya'nik. Yani, celui, la chose qui n'a pas une signification pour toi, c'est mieux de la laisser parce que tu ne la comprends pas. Mais dans ce cas, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il comprenait le Coran. Oui. Il a nagé dans l'océan du Coran. Oui. C'est pas juste, il a pas juste aimé extérieur, tout, sinon il l'avait déjà dans son cœur. C'est pour ça, des fois il tremblait, des fois il avait besoin de s'asseoir. Oui. Pour recevoir le Coran. C'était le Coran entier. Oui. Pas juste ce que nous on comprend comme Coran. Oui, oui, oui. C'est juste, c'est juste. C'est vrai, si ça, c'est plus profond que ce qui est marqué ici ou ici, juste pour nous expliquer, nous donner une idée comment le Coran a éduqué ou comment Allah a éduqué le prophète à travers quelques versets, et juste pour comprendre. Mais c'est plus profond parce que le lien entre Allah Azza wa Jalla et Sayyidina Muhammad, c'est très, 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 très proche d'ailleurs. Il y a l'intermédiaire de l'ange Gabriel, imagine. Allah, le prophète et l'ange Gabriel. Le lien est très, très proche. Ici, l'éducation ici, elle est installée. C'est pas, il ne doit même pas apprendre quelque chose. Ni penser, ni intellect. Non, il est installé comme un logiciel. Oui. Téléchargé. Oui. Il est déjà là. Oui, ça, c'est très profond et ça demande beaucoup du temps pour assimiler tout ça et comprendre. Mais là, c'est un peu logique. Donc, قال وإنما أدبه بمثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. Il a commencé lui-même par une chose très très importante. Pourquoi? Et je vous donne toujours, je veux bien sûr discuter avec vous. Donc, Sayyida Aisha ici, elle a dit le Coran l'a éduqué comme par exemple au moyen de ses paroles. Un exemple, hein, ça c'est juste un exemple. Donc, accepte le pardon, ordonne ce qui est juste et écarte-toi des ignorants, pas les ignorants, les analphabètes, on a dit plusieurs fois, les ignorants sont les personnes colériques, on peut s'énerver, mais c'est des gens vraiment très colériques. Disons, provocateur, agressif, d'accord? Écarte-toi de ces gens-là. Alors, pourquoi l'imam a choisi ce passage? Oui. Oui. L'agression des Qurayshites, c'est juste. Oui. Tu peux répéter? Alors. C'est quelle sourate? Alors, ça, c'est Sourate Al-A'raf, 199. Et pourquoi Sayyida Aisha a choisi ce passage? Pourquoi elle a commencé par ça? Elle a dit, accepte le pardon, ordonne ce qui est juste et écarte-toi des ignorants. Ça te prépare déjà le bon chemin. Voilà, ça te met dans le cheminement de l'élévation morale. Oui. Et l'ignorant, il est pris par ses émotions, et quand tu es pris par tes émotions, c'est Shaitan c'est lui qui te dirige. Oui. Donc, c'est difficile. Tu ne peux pas discuter. Par exemple, quand quelqu'un est colérique, il vaut mieux que la colère passe, et parce qu'on ne peut pas. Oui. Oui. Et l'ignorance, elle peut être, c'est la passion, en fait. C'est d'être pris par ses passions. Les passions, oui. C'est Shaitan qui prend, et là, tu récupères. Oui, c'est très bien. Oui. Pourquoi aussi? Le pardon, c'est la porte. C'est la porte. Tu nettoies ton cœur. Purifie le cœur. Le pardon purifie le cœur. Purifie le cœur. Beaucoup de maladies physiques. Beaucoup de maladies physiques sont à cause de la rancune. Encore une cause. En comme cause, la rancune, la haine. Donc la haine détruit le cœur,
la rancune détruit le cœur et le corps. Si le cœur est détruit, le cœur suit. Donc, on peut se soigner par le pardon. Ça, c'est, ça n'a rien à voir avec le hadith du prophète. On parle d'autre chose ici. Mais aussi, spirituellement, tu ne peux pas t'élever avant de pardonner. L'animosité, le prophète l'a comparé à une coiffeuse, al-haliqa. Il a dit une coiffeuse qui coupe la foi du cœur. D'accord ? On prie et tout. Mais s'il y a l'animosité entre nous, et s'il n'y a pas de pardon, comme si notre prière est tiède. D'accord ? Donc ça, c'est... Et pourquoi aussi il a commencé par le pardon et ne pas répondre aux provocateurs? Une chose très très importante. Le prophète, je vous donne un indice, le prophète était envoyé pour parachever le bon caractère. Avant l'islam, un autre indice. Avant l'islam, les Arabes, comment ils vivaient? C'était la période pré-islamique caractérisée par l'ignorance dans le sens les conflits, la tuerie, les guerres, la guerre entre l'Aws et le Khazraj a duré 120 ans. La rancune, la vengeance. Voilà. Donc, l'antonyme de la vengeance, c'est le pardon. C'est ça la force de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, voilà, ce qui nous manque, c'est la présence morale de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chef n'est pas là. La présence du chef est très importante. Celui qui rassemble, d'accord ? Grâce à son bon caractère, grâce à son aura, donc il n'est pas là parce que c'est pour ça. Les guerres entre nous, l'animosité, chacun fait ce qu'il veut, la perdition, d'accord, d'accord, c'est ça. Donc un troupeau sans berger. Mais même dans la justice, on parle du pardon. Cette notion de pardon, oui. Si elle est sincère, elle peut diminuer ta peine. Oui, bien sûr. Et puis maintenant, même je crois dans la médiation, on avait vu qu'il y a quelque chose qui se met en place aussi, c'est que la victime et l'agresseur, par l'intermédiaire d'un médiateur, peuvent se rencontrer. C'est pour enlever la peur et demander un pardon en fait, un pardon mutuel. C'est très important pour continuer dans la suite. Le pardon est lié aussi à la question de la destinée. Le destin. Voilà. Destin. Oui, parce que on dit si le soldat du sultan t'a frappé, en réalité c'est le sultan qui t'a frappé. Ouais. Si quelqu'un m'a fait du mal, en réalité c'est le destin. C'est une épreuve d'Allah. Il ne peut pas faire ce mal sans la permission de Dieu. Donc il y a une sagesse derrière, il y a une justice. Parce que peut-être j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc, il faut pardonner. La personne, elle est pour rien là. D'accord ? Dans ce monde-là où on vit, c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, mais on peut pas... Enfin, moi, il me semble qu'on peut pas toujours raisonner comme ça. Parce que s'il y a de l'injustice, s'il y a de l'injustice en haut, tu acceptes peut-être ce châtiment, enfin je ne sais pas comment on peut l'accepter, mais aussi je pense qu'il faut aussi combattre l'injustice. C'est difficile. Repousser l'injustice et pardonner l'injuste. Rétablir la justice. Essayer, parce que c'est très difficile. Ça, c'est difficile. On essaie. Donc combattre l'injustice et pardonner à l'injuste. Parce que, ouais. En plus, tu vois, des fois, quand on parle de ça, on pense à des choses, la société, le gouvernement, des choses grandes. Il faut juste dans notre vie, si on arrive déjà à le faire dans notre vie normale,
Oui, je parle ici vraiment dans. Et même dans votre vie normale, si par exemple, voilà, tu as subi une injustice et que c'est injuste, répare-la et accepte et fais ton pardon. Accepte ce. Donc il faut faire la part des choses. Exactement, il faut toujours bien faire la part des choses. C'est comme l'être humain, tu ne détestes pas, toujours partir de là, mais ne pas aimer ce qui est fait, mais pas ne pas aimer la personne. Toujours bien faire séparer la part des choses. Mais la justice, on doit la plus calmement, on doit la remettre à l'ordre du jour. Rétablir la justice. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Faire ce qu'on doit faire, et puis si l'autre partie elle accepte. Et ça, c'est la première chose dans l'éducation spirituelle. Tu ne peux pas avoir un bon comportement avant de pardonner. Tu ne peux pas avoir un bon comportement avant de pardonner. Donc ça, c'est très important, c'est comme la condition. Accepte le pardon, ordonne ce qui est juste et écarte-toi des ignorants. Donc pardonne et aussi ordonne ce qui est juste, hein, la justice aussi. Hein. Mais il ne faut pas que l'instauration de la justice se transforme en une vengeance. C'est ça aussi. مش واي مش ينشر العدل ينتقم ويثأر لنفسه ما عملنا حد شيء نغير فيه سي. وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي et aussi et certes Dieu ordonne la justice, la bienfaisance et l'aide aux proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la rébellion. Le prophète, il a fait trois doigts de vocation pour nous. Deux, ils étaient exaucés, une n'était pas exaucée. Laquelle qui n'était pas exaucée? Qala wa alla taj'ala batshahum baynahum shadid. Elle n'était pas exaucée. Pourquoi? Les conflits entre nous sont très très féroces. Il a fait du'aq, il a dit, Allah fait que qu'il y aura moins d'animosité entre les membres de ma nation. Ce dua n'était pas exaucé. Et pourquoi cette animosité? Parce qu'il y a Shaitan dans ce. Shaitan, de toute façon, il est là toujours, même à l'époque du prophète. L'ego, il est toujours là. L'ignorance. L'ignorance, oui, aussi. Il a fait ce dua, mais il n'était pas exaucé. Pourquoi? Mais ça concerne les musulmans. Les musulmans. Parce qu'on n'a pas choisi Sayyidina Muhammad. Voilà. Le référent n'est pas là. On n'a pas choisi. Il est là, hein, mais on l'a oublié. Le prophète, sallam, il est présent, il est parmi nous. Par son sunnah, par ses bonnes qualités ici. Mais malheureusement, c'est détourné de ses enseignements. Voilà, c'est la cause de cette perdition aujourd'hui. Le modèle n'est pas là. Aïla bidoun ab ou homme. Une famille sans parents. C'est ça le monde musulman aujourd'hui. On a oublié, ou bien on a. Il est là, hein, il est là. Mais voilà. Comme si on les a enfermés dans une chambre. On l'a pas intégré dans notre corps. Dans notre vie. Ils sont là, mais ils sont pas là en même temps. Ouais. Donc il faut se référer à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que c'est lui le juge qui juge entre nous. Imagine deux pays arabo-musulmans qui s'entretuent et ils décident de se référer à la sunna du prophète. Le premier verset, le premier passage règle tout. Accepte le pardon, c'est bon. Mm-hmm. Si on met en pratique ce verset. Et certes, Dieu ordonne la justice, la bienfaisance et l'aide aux proches. Quelle heure maintenant? 48. Malheureusement, pas, ça peut s'arrêter ici, Inch'Allah. Les autres passages, mais Inch'Allah. Vous pouvez
pouvez faire les autres ayats? Oui. Normalement, c'est le problème. Parce qu'ils sont très importants, ces passages. Ouais, il faut les expliquer. Vous les expliquer. Okay, comme ça, tu viens la prochaine fois. Ah, oui, hein. Pour voir la suite. Mais la prochaine fois, ce soir. Le soir. Ah, à quelle heure? Après le Maghreb. Normalement, après le Maghreb, oui. Maghreb, c'est quelle heure maintenant? 18h30, oui. Donc, voilà, vers 19h. Inch'Allah, tu sais, si vous pouvez pas. Vous voyez si vous pouvez. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose? Donc ça, c'est très, très, très important de savoir la présence du Sayyidina Muhammad et l'amour du Sayyidina Muhammad, la mise en pratique de « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Ils ne peuvent pas souffrir tant que tu es parmi eux. Le prophète lui a dit. Donc si le prophète il est parmi nous, par son bon caractère et tout, on sera toujours à l'abri du châtiment et de la souffrance. Et cher, subhanallah, moi ça m'impressionne ce verset, parce qu'il a dit, il n'a pas dit ma'akum avec vous, il a dit fihim. Fihim. Il a dit en vous. En, si le prophète en nous, pas avec vous. En nous. Si il est en nous, ne seront jamais châtier ou bien on va jamais souffrir. Donc là, s'il y a une souffrance, c'est que voilà, on s'est égaré de notre chef. Hein. Imagine une armée, hein, un troupeau de soldats sans chef. Imaginez la situation. Il y a un groupe qui essaie vraiment de s'attacher, de se rappeler des ordres du chef, tout ça. Mais les autres, ils vont faire n'importe quoi. Il y a plein d'outils comme ça qu'on peut nous aider. Les outils, si on veut, c'est comme le salat à l'Ennabi. Quand on fait le salat à l'Ennabi, on pense à lui. Oui. Et on sera, on aura un lien avec lui, on sera, il y aura une approche. Oui. La même chose avec le Coran. Quand on lit le Coran, on sent le bienfait en nous, on sent la baraka du Coran. Donc ça, c'est la nasiha à l'Allah et au Rasoul. Ça veut dire quoi? Se référer à Allah et au Coran, à son prophète. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasoul. C'est très important de lire sur la sira, de lire sur les bons caractères du prophète, prier sur sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Voilà les moyens qui nous aident à pas attirer la présence de sayyidina Muhammad, se rappeler de la présence de sayyidina Muhammad parmi nous. C'est comme ça qu'il devient vraiment la référence. Quand je dis, par exemple, j'ai un conflit avec quelqu'un, je lui dis, mais le prophète, il a dit, ah, c'est bon, le prophète, il a dit. Parce qu'il est déjà présent chez lui. Mais s'il est présent chez lui, il n'est pas présent chez moi, je parle à un mur. Le prophète, bien, pour lui, c'est... Ce qu'on entend aussi, c'est, mais c'était à l'époque. C'était... Ah, ça, c'est le prophète. Tu vois, c'est historique, le prophète, l'histoire. Pour le cas avec un nabi. Comme si c'est de l'histoire. Donc, il n'est pas présent aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a une chose, une histoire que moi j'aime beaucoup, c'est un homme qui devait de l'argent. Il devait une quantité d'argent, on va dire 10 000. Et il avait un délai, et le délai il est dépassé. Et l'homme il est venu, lui dit, donne-moi l'argent que tu me dois, ça fait quelques mois que j'attends. Il a dit, j'ai pas encore ton argent, est-ce que tu peux maintenant? Il a dit, non, je t'amène à chez le Qadi. Le Qadi lui dit, alors, tu le dois combien? Je le dois 10 000. Et combien de temps? Il est passé. Il a dit, il t'attendait combien? Il a dit, il m'attendait beaucoup, une année, on va dire. Tu n'as pas encore l'argent, ou bien tu amènes l'argent, ou bien en prison. Il a dit, mais j'ai pas l'argent. Il a dit, alors en prison. Il a dit, mais est-ce que tu me laisses aller dire au revoir à ma famille et je viens passer la prison? Il a dit, et qui va me dire que tu vas revenir? Il a dit, si je ne reviens pas, ça veut dire que je ne suis pas de la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Qadi, bien sûr, il peut être sincère ou pas sincère, mais le Qadi, il connaissait l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, d'accord, je te laisse aller dire au revoir à ta famille, mais demain tu viens. Il a dit, oui. Il est parti chez sa famille, il a raconté à sa femme, et sa femme, elle a dit, bah, vu que grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as pu venir me dire au revoir, viens, on va passer la nuit en faisant salawat. Ils ont passé faire la nuit salawat et ils sont endormis. Le lendemain, il va chez le Qadi,
Il lui dit, voilà, je suis là. Il a dit, Bibarakatika, grâce à ta baraka, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce soir et il m'a dit que je vais aller, je prends mon bayt il-mal, 10 000 et je paye ta dette. Mais en plus, je te donne cette quantité d'argent. Après, quand il allait chez l'autre monsieur pour lui donner son argent, il lui dit, non, je ne prends pas ton argent, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit de ne pas accepter ton argent et je te redonne le prophète. Donc, subhanallah, il y avait le jour d'avant, chacun voulait sa partie. Et le prophète, il a uni tout le monde, juste, subhanallah. Et ça, c'est une histoire réelle. Hein, oui. Il y a beaucoup d'histoires comme voilà. ça. Parce que le prophète est là, il est présent chez les deux parties. Oui. D'accord. Donc, il y a l'écho, quand tu dis le prophète comme référence. S'il y a un conflit conjugal, et les deux se réfèrent à Sayyidina Muhammad. Mais pas la référence juridique, d'accord, la texte et la vie. Moi, je dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tranchera entre nous. Ah, c'est fini, là. Tout d'abord, le pardon, je vais pardonner, parce que le prophète, il est là. Donc, la présence de Sayyidina Muhammad dans notre vie réglera beaucoup de problèmes, réglera tout, en fait, parce que c'est lui la référence. Et on n'a pas besoin de Oui, on a besoin de le voir, bien sûr, mais il se fait juste l'imaginer. Si j'ai un conflit, je dis, si le prophète il était là, il dira quoi? Il me dira quoi dans ce conflit entre moi et ma femme? Juste comme ça, l'imaginer. Hein. Je vais trouver le décret du prophète. Il va dire quoi? Une fois, je vous ai raconté ça, cette histoire. Il y avait une sœur, elle m'a dit, demain j'ai le tribunal, c'est pour une question de divorce, et je peux faire souffrir mon ex. Hein, mon ex. Je peux le laisser traîner dans les tribunaux et tout, parce que la loi, il peut le... Je fais quoi? Elle m'a dit. Et elle m'a dit, les gens me conseillent, même l'avocat, peut-être, je ne sais pas quoi. Parce que voilà, c'est comme ça maintenant. Je lui ai dit, réfère-toi au prophète Sarasin. Imagine, le prophète demain sera présent au tribunal. Tu vas dire quoi devant le juge? La règle m'a envoyé un message, m'a dit, si le prophète était avec moi, hein, avant, s'il était avant avec moi, je n'ai pas dû divorcer. J'arrive pas à cette situation. Donc elle a tout compris. C'est ça. Si le prophète était avec nous, on n'arrivera jamais à cette situation. On a oublié la présence morale de Sayyidina Muhammad. Et ça, c'est l'importance de la naissance. C'est un renouveau, une renaissance du prophète à l'intérieur de nous. Voilà. Mais le prophète, c'est le modèle de ce pardon. Le prophète, c'est comme on l'a dit, le Coran appliqué. Voilà, c'est ça la force. Et il suffit juste de l'imaginer, et aussi, pour connaître un aspect. On connaît le Coran, on lit le Coran, mais on n'applique pas. Oui. C'est pour ça qu'on est dans des situations, beaucoup de situations de conflit, hein, les musulmans entre eux. Oui. Et tu sais, même dans les normes normales, juridiquement, il existe les normes, oui, mais il existe l'applicabilité des normes. Oui. Et qu'une norme soit, qui existe, ce n'est pas suffisant pour qu'elle soit applicable. L'applicable. C'est pas toujours, on n'utilise pas toujours les normes, ils sont là, mais on ne peut pas les utiliser tout le temps parce que ça serait impossible de le faire. Donc, c'est ça le travail des juges. Ils appliquent les normes selon ce qui se passe le temps. Sinon, on ferait tout par ordinateur. Mais on ne peut pas. Oui. On a besoin de l'être humain pour appliquer la norme. Intégrer. C'est ça. Oui. Même si elle est obligatoire. Oui. L'obligatoirité de la norme, elle n'implique pas l'applicabilité. Oui. Parce que le juge, c'est la référence de la justice, mais humaine.
سي با قانون قانون دخل مال القضيه تخرج من غادي سي با كوم سا يفو ان هوم كي اسيميل لي فالور اي لو جوج نوتر جوج سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دونك ايماجين سي اون سوسيتي سون جوج هذا حال بيان سور سي مورال جوج مورال سي سي با فريمون parle pas de jugement juridique. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, à aimer cet avantage et connaître l'importance de Sayyidina Muhammad. Je ne parle pas d'ici de la réalité. Pour la prochaine fois, Marie.